Je crois à la vie éternelle. Dernier article de notre credo, il nous enseigne les grandes vérités de nos fins dernières. Vérités qui se résument, comme nous l'avons déjà dit, à trois actes. Premier acte, la mort. Notre âme quitte le corps, c'est un déchirement. Deuxième acte, le jugement. Nous comparaissons devant Dieu, notre âme est jugée. Troisième acte, après prononciation de la sentence, eh bien, exécution de la sentence. C'est le troisième acte des fins dernières de la vie éternelle. Alors, quelle est l'exécution de cette sentence? Notre Seigneur le dit à plusieurs reprises dans l'Évangile, « Pour les uns, ce sera « Venez les bénis de mon Père », pour les autres, ce sera « Retirez-vous, maudits, allez dans le feu éternel ». Notre âme sera jugée, puis récompensée, si elle a fait le bien, si elle a vécu dans l'amitié divine, c'est-à-dire de charité, dans la grâce. Ou bien notre âme sera jugée et sera condamnée si elle a refusé l'amitié divine, si elle a refusé la grâce, si elle a refusé les sacrements. C'est donc l'exécution de cette sentence qui s'accomplit soit pour les justes dans le ciel, soit pour les condamnés dans l'enfer. Alors le ciel tout d'abord, qu'est-ce que le ciel? Eh bien le ciel c'est le lieu où les anges et les saints jouissent d'un bonheur parfait, d'un bonheur éternel par la vue et la possession de Dieu. Ce qui fait le bonheur du ciel, c'est cette contemplation de Dieu parce qu'il est le souverain bien. Et cette contemplation est une possession. Et nous le savons ici-bas déjà, toute joie, c'est la possession d'un bien que l'on aime. Eh bien, la joie suprême, c'est la possession du bien suprême. Cette possession se fait par la contemplation de Dieu, qui est le bien suprême. On ne peut pas penser d'autre bien plus grand que Dieu, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Alors le ciel, c'est cette contemplation et cette possession de Dieu, qu'on appelle aussi le paradis, on l'appelle aussi le royaume des cieux, la cité sainte, la Jérusalem céleste, la patrie aussi céleste, notre patrie céleste, bon, le séjour de gloire, bref, c'est la vie éternelle. Voilà ce que c'est que le ciel. Bien sûr, l'existence de ce ciel nous est donnée par la Sainte Écriture, c'est entendu, l'Église l'a toujours affirmé. Et puis, ben, par la raison aussi qui affirme qu'il y a une autre vie où, justement, les justes qui n'ont même pas été récompensés ici-bas, et pour certains même qui ont été condamnés et ignominieusement traités, eh bien, ceux-là seront récompensés. Alors, au ciel, enfin, en quoi consiste le ciel? Le ciel consiste en l'exemption de tout mal et dans la possession éternelle de tout bien. Il n'y aura aucun mot au ciel, ni mal physique, ni mal moral. On peut lire cela dans l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu, dit l'Écriture, parmi les hommes, et il y habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, qui demeurera au milieu d'eux, sera leur Dieu, pour dire là cette possession divine. Et voici ce qui est ajouté, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni plainte, ni douleur, parce que le premier état des choses sera passé. Il n'y aura donc plus de souffrance au ciel. Pourquoi? Parce que les bienheureux, c'est ainsi qu'on les appelle, les saints, puisque tous ceux qui sont au ciel sont des saints, eh bien les bienheureux jouiront de cette vision béatifique qui les comblera immensément. Les bienheureux voient Dieu, non pas par les yeux du corps, n'est-ce pas, puisque Dieu est esprit, mais par leur intelligence, qui sera illuminée d'une lumière de gloire que Dieu met dans l'intelligence. C'est un don spécial de Dieu qui nous permet de voir Dieu tel qu'il est. C'est la plus grande chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est finalement à partager son intimité en le contemplant tel qu'il est. Dieu va se révéler dans cette lumière de gloire tel qu'il est. Et puis à ce bonheur de l'âme s'ajoutera d'autres bonheurs, par exemple la vue de notre Seigneur, la vue de la très sainte Vierge, parce qu'au ciel les saints ne sont pas figés, ils garderont toute leur vie aussi, même leur sens, et donc il y aura une certaine béatitude, qu'on appelle une gloire assez accidentelle, gloire des sens, par exemple on pourra se reconnaître, on pourra et on continuera d'entretenir les affections légitimes que nous avions ici-bas, les bonnes affections, nous les garderons au ciel, et puis nous garderons aussi avec tous ceux que nous ne connaissons pas, une véritable vie de paix, une harmonie. Voilà pour le ciel. Mais il y a ceux qui entendront la sentence irrémissible du souverain juste leur dire « Allez au feu, maudits,
qui a été préparé pour vous. C'est un châtiment absolument terrible, celui que l'on appelle l'enfer. L'enfer, c'est ce lieu où sont les réprouvés et où ils sont condamnés à souffrir éternellement avec les démons. S'il y a bien une vérité sur laquelle notre Seigneur a longuement insisté dans ses évangiles, c'est bien l'enfer. Souvent, et certainement le plus de fois, notre Seigneur rappelle cette vérité. L'enfer, notre Seigneur le dit en ces termes, « Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, peut précipiter dans la géhenne. » Oui, je vous le dis, craignez celui-là. Les enfants du royaume seront jetés dehors, dans les ténèbres. Dehors, ça veut dire en dehors de ce lieu de félicité qu'est le ciel. Là seront les pleurs et les grincements de dents. L'Église a toujours enseigné l'enfer, et c'est un dogme de notre foi. Nous définissons, est-il dit au Concile de Florence, nous définissons que les âmes de ceux qui meurent en péché mortel descendent promptement en enfer pour y être punies, toutefois de peines inégales, bien sûr, en fonction des péchés qui ont été commis. Et puis, notre raison le dit, il y a un châtiment pour ceux qui n'ont pas été châtiés ici-bas qui doit être fait, et ce châtiment est fait en notre vie. Si la faute a été grave, mortelle, c'est-à-dire si c'est une faute par laquelle on s'est totalement détourné de Dieu, rejeté de Dieu, cette faute est éternelle puisqu'on a rejeté celui qui est éternel. Par contre, si cette faute est temporelle, simplement, légère, eh bien, la peine sera légère. La peine de l'enfer, justement, se résume à deux choses. D'abord la peine du dent et ensuite la peine des sens. La peine du dent est certainement pour nous la plus incompréhensible parce qu'elle est spirituelle, mais elle est la plus terrible. Le dent a donné notre mot français de damné, c'est la peine de la privation de la vision béatifique. Pour nous qui ne nous voyons pas Dieu ici-bas, nous pensons que cette peine ne nous fera rien. Mais c'est faux parce qu'à partir du moment où notre âme aura quitté notre corps et vivra pleinement de sa vie spirituelle, elle éprouvera en elle cette aspiration vers la fin, comme toute chose est ordonnée à sa fin dernière, n'est-ce pas? L'âme éprouvera cette aspiration, simplement si elle a rejeté ici-bas toute sa vie. Dieu, qui est sa fin, au moment de la mort, elle le rejettera. L'arbre, dit notre Seigneur, tombe du côté où elle penche. Et c'est l'âme elle-même qui rejettera Dieu. Et c'est ce qu'il y a de terrible dans l'enfer. On dit parfois « Dieu est absolument terrible ». Mais non, c'est l'âme qui est terrible de rejeter son Créateur. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui rejette les âmes. C'est l'âme qui rejette Dieu. Et en rejetant Dieu, elle se condamne à un sort éternel. Mais c'est cela qui est absolument terrible dans la peine du dent, c'est que cette âme va garder au fond d'elle-même cette aspiration à la fin dernière, et en même temps, elle va rejeter cette fin dernière. Elle va vivre dans cette contradiction permanente, qui est un châtiment, et qui est un déchirement permanent. L'âme s'auto-déchire pour le coup. Un peu, si vous voulez, comme celui qui sent qu'il a besoin de respirer, fait tout pour respirer, physiquement, essaye d'ouvrir ses poumons et rien ne rentre. Eh bien, l'âme sera semblable, comme le décrit saint Jean Bosco dans cette vision qu'il a de l'enfer, et comme d'ailleurs les saints qui ont eu ces visions le décrivent, l'âme aura cette aspiration vers Dieu et retombera vers l'enfer par sa propre faute. Et dans cette espèce de cercle vicieux permanent, elle vivra cette contradiction qu'elle aura voulu elle-même et qu'elle aura entretenue, et dans laquelle elle se sera précipitée de par elle-même. Peine du dent. Et puis il y aura ensuite la peine des sens, qui consiste principalement dans la peine du feu. Et là aussi c'est un châtiment terrible parce que l'homme qui ici-bas aura rejeté Dieu pour s'attacher aux choses d'ici-bas, aux choses matérielles, aux créatures, eh bien l'homme sera spirituellement châtié par un feu matériel. C'est un mystère pour nous qu'un feu puisse atteindre quelque chose de spirituel. Lorsque nous nous brûlons, c'est notre corps qui est brûlé, mais ce n'est pas notre âme. Le feu de l'enfer aura, par la toute-puissance divine, cette capacité à brûler l'âme et à la contraindre. C'est un châtiment absolument terrible aussi, mais bien moins terrible que la peine du dent. Et puis en même temps, eh bien, l'âme qui sera en enfer vivra dans la société terrible des démons et des damnés. Il n'y a que haine, jalousie et méchanceté en enfer. Tandis qu'au ciel, tout sera paix et bonheur. Et puis ensuite, l'âme connaîtra les supplices qui seront liés au péché qu'elle aura commis. Et là où elle aura voulu éprouver autant de jouissances immodérées ici-bas, elle éprouvera autant et éternellement de supplices dans l'enfer. Vont donc en enfer tous ceux qui meurent en état de péché mortel, même s'ils n'auraient commis qu'un seul péché mortel.
Ce n'est pas une injustice. C'est souvent, et on entend malheureusement beaucoup d'objections contre l'enfer. On dit Dieu est un juge cruel. Dieu, s'il est amour, ne peut pas condamner une âme à l'enfer. Mais Dieu est un juge cruel. Comprenons cela, que c'est l'âme qui est cruelle. Parce que c'est l'âme qui meurt dans l'impénitence finale. Parce que c'est l'âme qui, en mourant, rejette Dieu. C'est l'âme qui ne veut pas de Dieu. Alors, comment voulez-vous que Dieu dise « Bah viens, puisque l'âme n'en veut pas ». Le bon Dieu ne contraint pas. On entend ces gens aujourd'hui qui veulent absolument toute liberté et qui voudraient que Dieu les contraigne à sa compagnie. Mais non, ceux qui ont choisi en toute liberté de rejeter Dieu, eh bien l'ont choisi en toute liberté et assumeront leur choix pour l'éternité. Donc ce sont les âmes qui sont cruelles de rejeter Dieu. C'est l'âme qui se damne. C'est l'homme lui-même qui, par sa vie et son rejet de Dieu, se damne en méprisant la miséricorde de Dieu. Dieu offre sa miséricorde. Il a envoyé son fils mourir sur la croix. Le damné refuse cette miséricorde. Il la refuse. Et c'est tout. Et Dieu ne contraint pas. Dieu ne contraint pas. Alors, ce n'est pas Dieu qui est cruel, c'est l'âme qui est cruelle. On dit, mais Dieu est bon, donc l'enfer durera un temps. Mais oui, mais c'est faux. Dieu est bon, c'est entendu, et nous sommes entièrement d'accord. Mais Dieu, disons, n'est pas bonasse. La bonté de Dieu est inséparable de sa sagesse. La bonté de Dieu est inséparable de sa justice. Et donc, à celui qui a rejeté l'éternité, Dieu impose une justice qui est éternelle et qui est absolument proportionnée à la faute commise. Il n'y a donc ni injustice, ni manque de bonté. C'est l'âme qui est injuste de rejeter son Créateur, c'est l'âme qui manque de bonté vis-à-vis de son Créateur. On a dans ces objections toujours l'intention de rejeter la faute sur Dieu pour déculpabiliser l'homme. Mais non, la faute est à rejeter sur l'homme, Dieu a tout fait pour les hommes. Il est venu ici-bas, il est mort sur la croix. Alors on dira encore, mais il suffit d'une expiation temporelle, et puis ensuite Dieu accorde son pardon. Mais le pardon n'est accordé qu'à la condition du repentir. Or l'âme qui se jette en enfer ne veut pas se repentir, justement. Le damné ne peut pas se repentir parce qu'il ne veut pas se repentir, et comme il a une vie purement spirituelle, cette volonté, elle est un acte qui l'engage pour l'éternité. Donc il n'y a pas de fin de l'enfer. L'enfer, justement, n'est pas un lieu passager. Les âmes qui vont en enfer, y vont pour l'éternité. Et malheureusement, on connaît cette apparition de la Très Sainte Vierge aux enfants de Fatima, où elle a montré l'enfer et les âmes qui tombaient comme des flocons de neige. Et Notre-Dame se plaint, personne ne prie pour les pauvres pécheurs. Mais les âmes tombent en enfer, hélas. Non, l'enfer n'est pas passager. Il y a un lieu de souffrance passager, oui. Ce lieu, on l'appelle le purgatoire. C'est un lieu de souffrance que l'on pourrait qualifier comme étant l'antichambre du ciel. L'âme qui est jugée en état de grâce, que Dieu appelle justement à sa béatitude, avant de rentrer au ciel et de pouvoir voir Dieu tel qu'il est, doit être absolument purifiée des peines temporelles qui lui restent. À cause des péchés véniels ou à cause de péchés mortels dont elle a été absous et qui lui ont été remis, mais dont il lui reste encore une certaine peine à faire. Alors l'âme, elle est en état de grâce, elle est appelée à voir Dieu, mais elle doit être encore purifiée. Cette purification se fait par le feu du purgatoire, un feu qui, comme celui de l'enfer, contraint, si l'on peut dire en tout cas, à une action sur l'âme, un feu matériel qui a une action sur l'âme, et qui purifie l'âme de toutes ses scories. Alors il y a dans le purgatoire la peine du damné, comme en enfer, mais c'est une peine qui n'est pas éternelle, c'est une peine qui est passagère. Cette peine étant temporelle, les âmes du purgatoire gardent au fond d'elles-mêmes une certaine joie par la certitude qu'elles ont d'aller au ciel. Simplement, avec cette peine du damné est adjointe une peine, la peine du sens, où les âmes souffrent justement par ce feu pour être purifiées. Souffrance physique produite par un feu réel. Ces peines surpassent toutes les peines que nous pouvons imaginer sur la terre. Le feu du purgatoire, dit saint Augustin, est plus terrible que tout ce que l'homme peut souffrir en cette vie. Tout ce que nous aurons négligé ici-bas, nous le payerons là au centuple, dit saint Bernard.
Mais elles ont la consolation de l'espérance, et puis elles ont l'idée de la sainteté et de la justice divine qui leur fait souffrir ces tourments pour bien les préparer à le voir tel qu'il est. Donc au fond, ces âmes ont une certaine consolation, c'est bien vrai. Simplement, leur souffrance ne leur mérite aucun degré de gloire. Mais nous, ici-bas, nous pouvons aider les âmes du purgatoire par nos sacrifices, par nos prières, par ce que l'on appelle aussi les indulgences. Nous pouvons aider les âmes du purgatoire, nous pouvons les délivrer, et nous sommes certains que cette charité, elles ne nous le rendront, tant ici-bas qu'au jour aussi où nous comparaîtrons devant Dieu. Enfin, il reste un lieu mystérieux que l'on appelle les limbes, dans lesquels vont les enfants qui sont morts avant l'âge de raison, mais sans le baptême. Tout enfant qui naît sur terre a la tâche du péché originel. Ce péché originel rend l'enfant incapable de la vision béatifique parce qu'elle le prive de la grâce. C'est le baptême qui vient effacer cette tâche. Mais un enfant qui naît sans le baptême, mais avec le péché originel, ne peut pas donc aller au ciel et voir Dieu, parce qu'il n'a pas dans son âme la disposition de la grâce. Simplement, le péché originel n'étant pas une faute personnelle, l'enfant qui meurt dans ces conditions ne mérite pas de souffrir l'enfer comme souffrent les damnés. Il est donc dans un lieu intermédiaire que les théologiens appellent les limbes, lieu où, privé de la gloire et de la vision béatifique, l'enfant jouit d'un certain bonheur naturel. Voilà ce que sont les limbes, et voilà tout ce que l'on pouvait dire des fins dernières.